Le dérèglement climatique n'est plus une préoccupation des seuls décideurs politiques, organisations écologistes ou spécialistes. De plus en plus, les effets se font sentir comme dans ces périmètres de maraîchage ici à Bamako. Madame Ikane a constaté le dérèglement des saisons avec la hausse de la température depuis des années. Selon les maraîchers, la hausse de la température a occasionné une baisse de la rentabilité des cultures et la prolifération des insectes nuisibles. Face au phénomène, les jardiniers n'ont eu d'autres alternatives que de transiter vers les semences génétiquement modifiées. À leur tour, ces OGM ne tiennent pas toutes les promesses. Anta mimbika ambe mingini bi pour que ka anire de menaye no era kera amma sababu jugue doni janno kera anga baile ma sikudi namba fa nga solution so ala mimbe no ra ma doni anga la janga sika ma sikoro na nyu fa ka tala ala febo mimba ko ko ni suman kura munu mina boati ko ne ko na ya san flawu ya san sabake imana danka ta si atike ati koro ne soro tukuni Anong manga si koron sena hali sangke mamba sena aba chukola foni ya sena yoro ere manya. Ala ye mogo mogo si yoro ben yoro mima. Ala ye ka suma si sena ta di ma ye. Ni kera chanchenga o femi mi nya chanchenga ala yo di ma ye. Ni kera bo adinge kono fene femi mi nya bo adinge kono fene ala yo di ma ye. Semence locale ou améliorée, la solution durable semble loin de là. L'urgence est d'adopter une politique écologique et le changement d'attitude de chaque citoyen. Une question de survie de l'humanité.